Après 17 ans passés à la présidence du club de handball, Patrick Danielevitch quitte son poste, la région du Nord, pour raisons professionnelles. Donc j'ai eu une opportunité de fin de carrière. On m'a proposé une place d'encadrement dans la région normande. Et donc, je n'ai pas refusé l'opportunité. Il me reste 5 ans à faire et c'était important pour moi de les faire bien. Donc, j'ai accepté cette opportunité. Footballeur pendant 16 ans, le handball n'était pas son domaine de prédilection. Et pourtant, il a réussi à faire grandir le club, aujourd'hui en National 2. Alors oui, il a grandi à partir de l'année 2000, où on a accédé à la National 3 avec les garçons. Et depuis 15 ans, il a cessé de progresser. Et cette année, on finit 4e de National 2. Comme le disait Paul De Vrient, on commence de s'asseoir en National 2. Et ça sera un bon tremplin pour éventuellement gravir un nouvel échelon. Même de loin, Patrick Danielevitch continuera à suivre le développement du club de Gravelines. Inévitablement, j'irai voir les résultats de l'équipe tous les samedis soirs et j'aurai des nouvelles au téléphone. Donc je suivrai quand même le club et son évolution de loin. Mettre son expérience de président au service d'un autre club de hand en Normandie n'est pas à l'ordre du jour.